TotalMixRadio.com étant le premier réseau sportif haïtien de First Haitian Sports Network, TotalMixRadio.com. Moi, souvent dit non ça, depuis que vous commencez à dire A, ou beaucoup même fin dit Haïtia, c'est sûr que non TotalMix supposé paraître à bon côté, parce que priorité non encore ça que non qui en parle l'esprit non, c'est parler de Haïti et c'est parler de Haïtien, n'importe quoi tout bon Haïtien la donne. Monsieur est certain qu'il y a intérêt dans la donne. C'est ça qui fait que nous sentons que nous, chaque fois qu'il y a une activité haïtienne, Haïti la donne, nous sentons présence non obligatoirement pour nous là. Alors, jeudi, matin, après-midi, à soir, dépendamment de zone ou bien l'heure qu'il y aura avec nous là, nous avons un privilège pour nous gagner avec nous. Coach sélection nationale haïtienne de moins de 17 ans qui pourra rentrer en compétition. Et éliminatoire Coupe du Monde avec l'île nous prenons une petite conversation. Monsieur Certain, après conversation, on ne va pas poser ma pile question encore. On a déjà connu assez d'informations concernant l'équipe haïtienne de moins de 17 ans, mesdames. Coach Harold Edma avec nous depuis République Dominicaine. Bonsoir, bonjour, Coach Edma. Comment y est? Et bonsoir, Gabi. Je profite de saluer tout le monde qui a suivi le réseau tout à l'instant. Comment y est? Comment l'équipe vous y est? Bon, moi bien, l'équipe là bien, et même mieux. Et faute de temps, nous avons souffert en pile dans la préparation. Comme nous disons, nous rentrons en République Dominicaine le 9 avril. Okay, samedi 9, et depuis lors, nous avons entraîné sans cesse, nous avons entraîné, nous avons essayé de jouer des matchs amicaux. Mais on va comprendre que. Dans le laps de temps, ça a 15 jours pour préparer une compétition, et il est réellement compliqué. Mais avec expérience, moi, mais c'est évaluer mesdames, et puis chaque jour, on a fait des ajustements pour nous mettre au nos niveaux pour être compétitif. Chance. Comment t'es arrivé pour et côté de moi, je pense que un peu le monde a dit, c'est que délégué Haïti. Et mesdames, yo, majorité mesdames, yo, c'est en dans range quoi des bouquets été confirmé et kounya depuis l'année dernière, yo censé pas gain fermé en dans range là. Ça t'est un handicap pour non? Ah oui, certainement, c'est un handicap majeur parce que mesdames qui étaient range en et mi-juin et depuis lors, m'a jamais gain et entraînement avec eux. Et premier entraînement mien avec eux, c'est 10 avril. Dimanche 10, et ça fait 9 mois que nous pas rencontré. Mais moi-même, j'ai essayé de faire des choses. Dès le mois de février, j'ai essayé de contacter eux pour me sensibiliser. Et là, ils me connaissent quand même et nous avons allé. Autant que si tu es rentré dans l'état de la rentrée, c'est sensibiliser pour chaque monde dans la zone côté yoyé yo font petit travail gagne cal dans l'école football gagne cal entraîner avec et club petit garçon gagne faire courir même malgré tout te gagne vini en surpoids donc on a ça poser problème et juste nous à 48 heures de match à même gagne monde c'est pas quoi idéal yo va jouer avec quelques livres en plus pas trop mais quand même. C'est ça, ben là. Les 9 mois, c'est vraiment pas dit fatal pour nous, mais et jongler avec qui fait m'joindre au niveau et pas dit acceptable, mais il y a pas de banette qui fait que et chaque jour m'a fait ajustement au niveau de la condition physique et puis c'est de rappel obligé faire de bail qui était courant, mais il oublié et puis qu'on y a obligé c'est ça à faire. Mais quand même, Gabi, c'est un travail passionnant. Alors, concrètement, choisir 20 joueuses dans la condition ça, pas gagner championnat et catégorie ça, pas gagner ou se dire en dehors, 9 mois en dehors de Range Quadre Bouquet, pour faire choix de 20 joueuses ça, est-ce qu'elle était en tout cas difficile pour même pour faire choix de 20 parmi tout le monde peut-être tout est gagné bon certainement là c'est entraîneur ou son sélectionneur et pratiquement bon moment obligé de trancher même moi-même me fait c'est
C'est à la dernière minute que je fais. Et il y a des gens qui étaient vraiment qui étaient très bas sur le plan de la condition physique. Et vrai, ils n'ont pas répondu à critères. Ça fait que et mettez-vous sur côté, moi je prends l'autre. Ce n'est pas que vous deux dans l'équipe là, mais je prends ça, je pense, qui est vraiment répondre à l'attente de ça, nous allons le faire. C'est ça. Alors, ça veut dire que, est-ce que tu es capable de dire c'est tant bien que mal ou gagner 20 joueuses? Mais ce n'est pas 20 joueuses vraiment penser que qui t'a mentalement, physiquement paré pour compétition. Ah non, je ne vais pas dire ça. Et en dehors de temps, nous pas de gain pour préparation, mais un groupe m'a gagné. Hein, son groupe qui est capable solide. Et nous prenons le goût sérieusement. Parce que pendant que je suis là, je me dis que je ne vais pas joindre un niveau physique qui était trop bas. OK. Sauf qu'il y a une surcharge et qui gagne un poids en plus. Et ben, ça va. Mais son groupe au niveau football, et moi-même, moi misé sur eux, et au fil des matchs, et nous pensons que nous avons une vitesse de croisière. Alors, la composition staff, est-ce qu'elle aide ou que le travail l'a fait puis avec facilité tout? Oui. Moi, gagné, et Alain Jean-Louis Pavigny, c'est Chéri qui joue le rôle de chef de délégation et préparateur physique. Mais vraiment, nous entendons un savant dosage de effort. Nous pas faire Christian Dacado son forme et dogmatique. Là qu'on dit, là on commence, c'est là on commence, on fait tant de jours dans ça. Non, on pas qu'à faire comme ça. Son évaluation quotidienne et un ajustement permanent qu'a fait dans le travail. Et moi-même, matin, et nous avons gagné un petit entraînement, même moi que. Et non plus près que non plus loin. Et moi-même, pensé que la semaine qui vient est déterminante pour nous dans le match premier tour. Même pas craindre. Au contraire, c'est le match qui a servi nous pour nous atteindre l'autre palier. Ok. Alors, font il y a quelqu'un qui voulait perdre de l'équipe ça. Est-ce que tu es capable de dire que c'est Santé ou un challenge qui t'est fait en République dominicaine? Non. Est-ce que c'est presque une sélection ça, nous pourrions aller dans U17 là-dedans? Exactement, c'est eux-mêmes. C'est 18 dans le challenger, nous augmenté 2 pour lui, fait 20. Mais c'est même si nous avons depuis 3 ans avec eux, nous travaillons. C'est dommage, ils ont une coupure de 9 mois, mais ils tapent plus loin. Mais quand même, moi-même, comme mon entraîneur expérimenté, et je connais ce qui ça pour me jouer, pour me joindre et rapidement ma besoin. Donc, nous avons commencé à un rythme dans le championnat et dimanche contre Cuba et ensuite nous allons prendre Salvador pour nous finir avec Guatemala. Ça a déjà mis nous dans un niveau et côté n'a bien rythme pour compétition. Je ne passe 8e de finale, c'est déjà un autre palier que nous franchissons. Alors, écoutez, en pile, monde peut-être, yo connaît facile, yo ka ouais et apprendre plus de mesdames U, mesdames senior yo, et pour ne pas dire mesdames U20 yo, mais yo qui doit pas trop habile et connaît trop de joueuses U17 yo. Ou ka pointer doué tout sous quelques nan yo, que nous t'as supposé prêter plus attention pour nous, en dehors, c'est vrai, tout le monde yo intéressé, non, mais quelques points, quelques nan yo ou senti qui cap cléoné dans un nom. Parfait. Même cadeau, et dans l'équipe U17 là, il y a deux ladders qui ont déjà joué pour U20 et mois dernier. C'est arrière gauche là, c'est le capitaine de l'équipe là tout, Bertrude Rosenville, et en arrière central, Fabiola Saint-Fleur. Ça veut dire si il était calé dans U20, ça veut dire qu'il a démontré quelque chose. Et c'était pilier dans l'équipe ça. Nous avons Wallandina. Valentina Siriac, c'est joueur ça qui t'a marqué 20 goals sur 56 goals que nous avons fait dans le Challenge en 2019. Ensuite, nous avons Daddy Love, cher enfant. Son joueuse, nous allons le découvrir. Mais vraiment, l'équipe ça a un pile talent là-dedans.
Il y a Dachel, compère. On t'y fait ça sortir au cap. Mais vraiment son père, nan, le lap joué. Et nous avons Rastali Océan, nous avons Nerli, un demi-défensif, mais vraiment doté d'une intelligence hors pair. Ça veut dire son équipe qui n'a pas qu'à avoir tout le monde, mais vraiment, il y a un talent là-dedans. Je pense que nous avons plaisir pour regarder le cap joué. Je pense que Total Mix ça fait mon match. C'est sûr, c'est sûr. Alors, hors de préparation, non, ça n'en fait. Est-ce que qu'on y a par rapport avec temps gain dans mon an, préparation gain fait et coach dit est-ce que en pile fois moi me plaignais du fait que coach Noyo toujours gain un discours qui semblable dans toute compétition surtout dans dernier temps là pral pas gain temps préparation est-ce que ou pral utiliser discours ça à la fin pour dire que son manque de temps 6 ans cas que malaise c'est que ça t'arrive ne pas faire coupe du monde bon et pas gain temps son constat parce que football préparation football Gabi son bail qui fait sur le temps ou pas quel que soit et athlète ou pas gain dans monde il était en vacances au barol pour une semaine pour 15 jours pour préparer premier match pas bon OK moi puisé dans ça mien et joueuse tout yo gain on passé avec moi nous gain 3 ans ensemble fort de tout bail ça yo nous mettez ensemble et nous font dosage et pour nous monter une équipe qui compétitive moins dans les premiers matchs n'a bien yo mais ça dit équipe là bien temps bon non nous pral nous-mêmes nous prévoir après premier tour là équipe là à atteindre nous l'autre palier OK depuis c'est pas dit calendrier a joué avantage dans tout que des adversaires comme Cuba, Salvador, Guatemala, il t'a supposé pas une grosse difficulté pour nous. Bon, exactement, mais on va comprendre ces premiers pour nous sortir dans pour là, pour nous suivre le parcours que nous voulons tracer peut-être. Non. OK? Et pour nous demander à l'équipe là, dans le niveau que l'on est, et je dis, dans quelques jours, par exemple, on finit de jouer 3 matchs, l'un va jouer. 16e de finale? 8e de finale. On a bien temps et vraiment, on a une certaine montée en puissance. OK. Ça veut dire, m'ta dit que by coach Aolé de ma titan de premier tour là, équipe nous supposé nan j'ont te souhaité joindre ni avant que yo te détaché de haut pour 9 mois. Et bon, vous dit souhaité joindre ni mais m'abdou à 80-90% c'est équipe ça. Parce que le temps c'est lui jouer dans sport. OK? Ça veut dire n'a prêt de bail ça. Parce que c'est dans rappel moins net, on pas ajouter rien. On pas gain temps pour m'ajouter rien. C'est ça nous gain déjà, nous faire rappel sur yo technique, tactique, OK? C'est eux même. Et puis préparation mentale là comme moi même avec eux nous font temps et yo connaît l'homme parler samedi et ça vous fait. C'est ça va là. Est-ce que tu as des possibilités pour te gain quelques renforts parce que connaît gain parfois des joueurs qui a sollicité l'extérieur qui compte manifester désir pour jouer pour Haïti dans cette âge ça est-ce que tu as gagné possibilité pour te gagner renfort bon moi gagné une joueuse gagné trois joueuses que j'ai proposé gagné c'est problème passeport gagné et yo pas venu et tant tout pas la permettre moi ouais yo et dans match dans parce en quinzaine de jours si mon nan tab venon au niveau li vini ka intégrer l'équipe là facilement mais si son moun ka vini non niveau et joueuse qui la doit jouer nan plus haut niveau que yo la poser problème peut-être ça son bail nous prévoir après et qualification nous pour nous faire un plus grand rassemblement tout monde qui veut vini et puis et n'a fait alors et nan comme adversaire yo qui sont connaît de adversaire que nous gagné dans premier tour surtout. Bon, en général match U17 yo pas vraiment me checker pour mesdames yo on connaît chaque U17 son génération. Là il dit mon qui était U17 en 2020 bon il va lui même qu'il a en 2022 mais pas joindre grand chose pour yo mais me fait mon travail me garder et tendance et sélection plus grand tant que U20 Guatemala
et U20 Cuba. Moi, ça a eu 17 là. Je regarde tendance football féminin dans le pays. Et puis, je me dis, tête point, U17 là, et les situer dans tel niveau par rapport à nous-mêmes. Ok. Pendant ou dans préparation, est-ce qu'il y a une possibilité ou pour jouer quelques matchs amicaux et comment ça va y passer pour? Et bon, nous avons eu l'occasion de jouer deux matchs. Nous avons joué une avec, nous avons une équipe féminine qui était programmée pour jouer avec elle. Et Académie Santa Fe. Mon qu'on est semaine sainte, tout le monde est allé la caillou. Mais l'arrivée, ils ont fait jouer avec une sélection. Ils m'ont demandé si m'intéressait jouer avec sélection. Il y a 17 garçons qui t'apprennent à aller dans le lendemain. Il dit Je cette dis garçon, sans c'est problème. Domingue. Hein? Il dit cette Dans garçon, c'est Santa Domingue là. Fe. Santa, oh, Santa Oui. Fe, ok. Académie Santa Fe, ils ont une équipe de 17 garçons. Et bon. Entraîneur a expliqué que si m'intéresse c'est jouer avec eux, et puis nous jouons avec eux. Je fais deux équipes, je fais équipe A, une équipe B. Équipe A fait 0-0 avec vous et mi-temps, et puis équipe B a perdu 2-0. Okay. Ok. Mais nous tirons un lot d'enseignement, moi-même, et nous devons après 9 mois. C'est la première fois que si nous avons pas joué. Tactiquement, il n'y a pas oublié grand-chose. Ok. Okay? Et même entraîneur en face à lui dit, Ou bon, jouer entraîneur. avec l'équipe Santa Fe a, pendant fait criver l'autre bois ou bien 10 jours, 15 jours après, on rappelle depuis qui date? Non, bagen tout ton sordia. Nous jouons avec yo et mercredi. Nous commençons préparation en dimanche. Nous jouons avec yo mercredi après-midi. Ok. Après ça, ou t'as eu Après l'opportunité? ça, et sélection et U17 République Dominicaine, non? Nous te souhaitons jouer avec eux. Match a été fait dans lundi matin. Bon, t'es bien là, puis ben, ça, nous jouons avec eux, nous faisons quatre périodes de 20 minutes. Bon, nous gagnons 1 à 0. Bon, score, c'est pas lui-même qui. Mais son match, nous raté une quantité d'occasions. Bon, bref, production dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Moins, nous avons raté 3 occasions, mais pour comprendre que Dominique Nyoutou, il y a un carré pour. Pas prendre goal, il barré. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'était un bon test pour nous. Et tu as un pile automatisme et tu as fait un pile rotation tout. Moi, et si jamais il y a tel monde qui n'est pas là, qui l'autre monde qui a remplacé efficacement dans le groupe là. Et ces deux matchs avant d'arriver à jouer. Dernier match là, il a annulé parce que l'équipe n'est pas disponible. Bon, c'est ça. Alors, si bien comprendre que est-ce qu'on gagne un point de vue ou encore un objectif ou visé avec sélection U17 mesdames Sayo pour éliminatoire Coupe du Monde ça? Depuis le premier jour, j'ai rencontré eux, j'ai pris en charge. L'objectif là était clair. J'ai dit, Simon, nous allons travailler pour mener nous dans la Coupe du Monde 2022. Et c'est même objectif ça, nous Kembe. Et nous travaillons pendant 3 ans, une coupe. C'est vrai, nous reprenons là, c'est même pas la moudio, c'est même côté à nous aller. OK? Objectif là, c'est qualifier pour Coupe du Monde. Et mesdames, vous êtes conscientes de ça, nous sensibiliser, vous motiver et nous travailler dans petit temps de jeûne pour nous faire. Est-ce qu'on a une opportunité pour nous faire? Ah oui, certainement. Et gain une volonté, une détermination, bon, quand mesdames, vous êtes excité pour dimanche d'arriver pour jouer le premier match. Vraiment, et Alors, dernier. moi-même, moi-même, sous ça, vous montrer dans l'entraînement, dans le match, nous jouons, moi, que nous sommes capables. Mais ou kon nou men, mais et adversaire l'aime dit adversaire surtout les n'a pensé dans carré magique là dernière surtout dernière éliminatoire yo moi songe que U17 Haïti am quoi était noté éliminé dans carré magique là malheureusement. Oui, nous t'es éliminé, c'était penalty. Nous t'es fait match la Mexique. Mexique sous nous encore fois ça. Et moi-même, moi pas gain. Nous pas gain équipe pour nous peur. Équipe nous gain, nous café jouette, nous café goal,
nous ka résister, mais pas de raison pour nous dire nous pas priver dans carré magique là et nous pas éliminer une équipe dans semi-finale. Non, non, nous gagne équipe pour ça. Est-ce que m'ka camper sous parole ou m'commencer à acheter à chercher ticket pour moi pour m'aller en compétition? Oui, ou m'être venu, ou m'être venu, ou cap déçu. Moi mais ça avant hier me dit que les semble ces équipes ça avec senior là qui a mesdames senior a fait nous rejoindre coupe du monde surtout dans année difficile comme ça quoi. Bon, moi même mesdames parmi yo juré pas un grand bagage c'est qualification. Moi même dit depuis le mois de septembre, bon date là échappé, me déprend en charge, me dit mesdames, mais pour ça là va le préparer nous pour aller dans coupe du monde 2022. OK? Égal, nous, nous travaillons. Nous travaillons. Et son équipe, et en pile, nous ne connaissons pas, mais Haïti, nous connaissons, parce qu'il a joué championnat national. Et une équipe, U15, U16, qui a joué championnat national, qui a éliminé dans la semi-finale. Ça, c'est les notes faites quand nous, un, quand nous deux, dans la compétition, yo? Et bon, c'est ton année, nous-mêmes, bon, premier match, nous. Et tu mets dans le gain 15 ans? 15 ans, l'un sorti et Porto Rico, yon rentre dans le championnat. Bon, yon même yon peur. Moi même, m'a dit non, nous pas gen pour nous peur, c'est football, nous pas jouer. Premier match, c'est Léo Gagne à jouer contre Anacaona. Nous sommes président fédération, en vin dans bus là, et enfin, yon déplacer, il dit ok, nous pas ramasser un pile goal, mais pas faire mal élevé, comportez-nous bien, et ça nous besoin, c'est compétition, yon plus grand passe nous, yon kaline quand même. Eh ben, nous te calé Anacaona 1-0. Oh oh. Premier match officiel yo y a joué. Et mon yo gan vraiment yo tombé jouer mesdames la Kaouna pour Timoun yo. Pour être Timoun sa yo kembe ana Kaouna batli. Exactement yo batli 1-0. Premier match officiel yo dans championnat. OK, après ça dans deuxième année a et son seul match yo perdu dans semi-finale Exafoot. Bon ça c'est U20 te vinn jouer l'autre joie qui bat yo et 2-0. En semi-finale. Wow. OK, son petit monde gen espoir là-dedans. Ça Gabi Mendo et acheter ticket et n'a pas dimanche. Bon, mais ça. Coach Baba, regardez où mon force là, ça. Même sérieux, vous mettez acheter ticket au vini ou pas regrette. M'a parlé dans coupe du monde du 17-20 mesdames. Oui, au contraire, c'est quoi pour en octobre pour aller dans la Coupe du Monde. Eh bien, bon. Fanatique, il y a tout le temps de tout. Il y a des gens qui piffent ou passent, qui font même barre là. Alors, coach Edba, monsieur, c'est certain que nous allons commencer à partir de dimanche, dans le premier match là, et pour suite compétition, nous suivons de près, et monsieur, c'est certain, haïtiens de partout ont des opportunités pour garder. Qui ça va dire avec parents, dirigeants, fanatiques et même footballeuses, peut-être qui doivent venir jouer nous pour Pita. Bon, moi-même, je suis un formateur. C'est ça qui m'intéresse, c'est montrer si le monde joue au football. Ça veut dire que chaque fois que mon groupe, si le monde est même, je veux mener le plus loin possible. Parce que, un entraîneur, si pas qu'à aider un athlète à améliorer, bon, il n'y a pas de place. Il y a à quelque niveau que ce soit. Moi-même, moi prends yo, si moun sa yo, m'm conscient que montre yo jouer football et yo kon jouer football. Te gon talent naturel, mon talent inné, moi-même, moi prends, moi développe il et m'fè yo capable servir avec. Équipe sa, Gabi, Mabdou, moi-même, pareil, même pas nan et vante rien, mais son se yo de ti moun et se avenir football haïtien pour 10-15 ans. M'garantis ou ça. Wow. Eh bien. Yeah. Bon, moi-même, et monsieur est certain que nous pas le garder et nous pas le ouais, peut-être par rapport à ce dino là, nous pas le mettre plus attention qu'on y a de l'équipe haïtienne ça. Merci coach Awol Edma et m'pa dou bonne chance mais m'a dou succès et n'a croisé en octobre dans la Coupe du monde. OK, merci Gabi pour l'invitation hein, et saluer tout le monde qui t'a écouté l'émission ça. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, coach Awol Edma, qui était avec nous depuis en République Dominicaine, songez que Haïti a joué face avec Cuba à 7h du soir. Que match a eu l'opportunité encore pour garder, tendez,
sur totalmixradio.com. Et puis, à part de dimanche, ça, Haïti a joué mardi à 7h encore, 7h du soir, Eastern Time. Haïti pourra jouer face avec Salvador. Et puis, dernier match de groupe là, c'est face avec l'équipe Guatemala à 4h de l'après-midi. Jeudi à 4h de l'après-midi, je vous ai dit ça, 20, 24, je dis 26, 24, 26, 28. Si on gagne 3 matchs de poule, ça y est, pour nous passer premier tour ça avec brio, encore si nous avons bien saisi et apprendre, comprendre plus de Coach Aolidma. Total Mix Radio.com.